a tous appris à faire ce genre de voiture quand on était petit, sauf que c'est hyper moche et je vais t'apprendre à l'améliorer en 6 traits. Ça dégage. Pour commencer, tu viens faire un rectangle. Ensuite, tu viens faire 2 traits parallèles, comme mes doigts. Oui, c'est trop compliqué, ferme ta bouche. Même mon petit frère sait faire. Puis tu refermes. Ensuite, tu rajoutes un trait là et un trait là. Et là, t'as ta base. Prends du rouge parce qu'on va faire une Ferrari, hein, pas comme la vieille Fiat de ton daron. Ensuite, tu viens rajouter ça, ça va être ton pare-choc. Fumer 2 carrés pour tes phares. Et là, ça commence à être stylé. Tu fais un trait pour délimiter ton capot. Et pas la capote, lol. Tu fais 2 traits qui se rejoignent pour le pare-brise. T'effaces ça parce que ça sert à rien. Et tu viens fermer la tête à wop, ça commence à être stylé. Un trait pour les fenêtres, l'autre côté du pare-choc. Une petite boule pour les phares arrière. Je te parle pas de ce que t'as entre les jambes. Et là on va passer aux roues et ça va être technique. Non je déconne, t'as juste à faire 2 cercles, le premier les plus grands, le deuxième les plus petits. Tu viens les faire en 3D. Tu rajoutes une petite antenne pour faire stylé. Tu rajoutes la porte et les jantes. Tu fais une petite route. Et tu rajoutes plein de vitesses pour montrer que c'est une Ferrari et pas une Fiat. Et c'est bon, tu l'as ta voiture. Oui, comment est-ce que tu dis tout ça? Bah je suis abonné à Baggy Dessine.